je ne sais pas si vous vous rappelez des images de Donald Trump quand il avait visité la reine d'Angleterre. C'était un peu gênant. Hein, c'est une souveraine qui a vu 14 premiers ministres défiler. Au moins, avec Joseph Biden, on peut dire ce qu'on veut, mais le protocole et la politesse seront respectés. De ce point de vue-là, la théâtralisation du sommet est importante. On a vu d'ailleurs qu'elle s'est permise une, une petite, blague. Cette fois-ci que quand Trump avait débarqué. On comprend d'ailleurs que cette relation avec les États-Unis, parce que certes on montre tout ce qui va, c'est logique dans les communiqués, on est tombé d'accord, mais cette relation avec les États-Unis, si elle est apaisée, en coulisses, il reste malgré tout nombreuses divergences. Alors il y a de nombreuses divergences, mais sur la question de la taxation des multinationales, sur la question écologique, l'idée c'est de profiter d'avoir quelqu'un comme Joseph Biden plutôt que Donald Trump pour essayer de, si vous voulez, de profiter de la puissance motrice américaine. Parce que sur les sujets quand même écologiques, l'Europe a quand même été motrice, elle a quand même essayé des puissances d'initiative, il y a la COP21 à Paris, il y aura la COP26. Mais mise de côté par Donald Trump en son temps. Absolument, donc c'était un peu plus compliqué. Et bon, on s'aperçoit que la puissance américaine, quand on l'a de votre côté plutôt que plutôt qu'en face de vous, c'est un peu plus facile. On l'a vu sur la taxation des GAFAM, par exemple. Notamment face à la Chine, justement. Enfin, pour peser, le marché unique européen est important. Mais c'est important aussi d'avoir des partenaires américains avec lesquels on peut traiter et à qui on peut faire confiance. C'est pour ça que c'est un peu problématique ce qui se passe en ce moment, le face-à-face avec le Brexit, parce qu'on risque une guerre commerciale entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et il y a la question de la confiance. Et sans la confiance, vous pouvez à peu près rien faire sur la scène internationale. Et tant que pour l'Europe, en tout cas, ces divergences avec le Royaume-Uni ne sont pas réglées, ça va être compliqué d'aller sur un autre front, par exemple avec la Chine. C'est-à-dire qu'il vaut mieux régler, parce que ça reste de l'interne presque, les relations avec le Royaume-Uni. Bon, les diplomates sont très forts pour mettre les choses ici. Ils vont essayer d'isoler, de cloisonner les sujets pour ne pas justement que une éventuelle acrimonie sur un sujet déborde sur un autre sujet. Mais le problème, c'est là la question de la parole donnée. C'est-à-dire, à partir du moment où, avec l'Union européenne, vous établissez un traité, l'Union européenne ne comprend pas que vous reveniez dessus, parce que l'Union européenne est un acteur, disons, qui compte sur la norme, sur la loi, sur la règle. Et elle est face à un acteur comme le Royaume-Uni. Et qui met en avant son sérieux en permanence comme une arme. Absolument, absolument. Et donc, elle est face au Royaume-Uni avec un troublion comme Boris Johnson, qui est une puissance post-impériale et insulaire, qui n'a pas l'habitude qu'on lui dicte en fait ses conditions. Et donc ça va être, je pense que dans le futur ça risque d'être un petit peu compliqué. Ouais. Là aussi il y a peut-être, on parlait de communication, de position, peut-être pour l'électorat, mais pour Boris Johnson c'est d'abord cela, de venir encore se choquer avec l'Europe. En fait, le problème, c'est que l'Union européenne a donné le bâton pour se faire battre. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, au mois de janvier, l'Union européenne en fait, avait activé ce qu'on appelle l'article 16 du protocole sur l'Irlande du Nord. En gros, ce que c'est quand on a voulu stopper l'exportation des vaccins vers l'Irlande du Nord, la présidente de la Commission européenne avait activé ce protocole pour suspendre le traité. Il y a des problèmes de livraison. Voilà, pour éviter que le vaccin soit exporté au Royaume-Uni et produit sur le territoire européen. Le problème, c'est que ça a recréé une frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Donc Boris Johnson a beau jeu aujourd'hui de dire « moi, je vais faire la même chose », parce que c'est en train de créer des problèmes socio-économiques dans l'Irlande du Nord. Et donc, moi, je vais rétablir ça. Et puis, de toute façon, l'Union européenne, vous êtes un acteur sérieux, vous êtes un acteur juridique. Or, vous-même avez activé ce protocole. Alors pourquoi je ne le ferai pas de mon côté? Bon, en tout cas, on voit que les enjeux sont nombreux. Et vous l'avez dit, Olivier de France, on finit toujours par se retrouver sur ce qui va bien entre tout le monde. Et notamment, c'est la Chine pour essayer de contrer aussi la nouvelle route de la soie. On aura l'occasion d'en reparler. Un grand merci d'être venu nous aider à décrypter tout cela. Auteur, je le rappelle, de Géopolitique de l'Europe, 40 fiches illustrées pour comprendre le monde. On va revenir en France, ou presque bientôt, en tout cas avec les suites de l'affaire Mia. Rémi Daillé vient d'être expulsé par la Malaisie. Avec sa famille, il doit arriver normalement demain matin
en France. On va décrypter tout cela et tout simplement prendre davantage d'informations avec vous, Yves Bellanger, depuis la rédaction de France 24. Cette figure du mouvement complotiste, on s'en souvient, est soupçonné, Rémi Daillé, d'avoir joué un rôle important dans l'organisation donc, de l'enlèvement de cette jeune fille. C'était en avril dernier. Oui, Rémi Daillé était remis aux autorités françaises avec sa compagne et ses trois enfants. C'était ce matin à l'aéroport de Kuala Lumpur, direction Singapour d'abord, avant un vol pour Paris. L'opération a été menée avec l'aide des services d'immigration et des policiers malaisiens. Monsieur, bonjour. Du soleil et de fortes chaleurs, voici le programme pour cette journée de dimanche. Regardez la situation générale, on a effectivement l'anticyclone qui va regonfler et se repositionner entre la mer du Nord et les îles britanniques. Et puis on a également ce petit minimum dépressionnaire sur le Portugal qui va brasser cet air chaud, notamment sur la moitié sud du pays. Résultat, cet après-midi, eh bien, c'est un franc soleil qui s'impose quasiment partout. On a quelques cumulus qui pourraient bourgeonner sur les reliefs de l'Est et on attend également des cumulus sur les reliefs des Pyrénées. Les températures pour cet après-midi sont chaudes. On est 7 degrés au-dessus des moyennes de saison à l'échelle nationale et notamment dans le sud-ouest où, regardez localement, le thermomètre pourrait avoisiner eh bien, 40 degrés à l'intérieur des terres. La situation également pour ce soir, c'est un ciel franchement étoilé qui nous attend. Et dans la soirée, aux alentours de 21h, le thermomètre affichera toujours de fortes chaleurs, notamment 29 degrés du côté de Perpignan. Pour la suite, demain, à votre réveil, on va retrouver du soleil qui va s'imposer partout. Vous le voyez, quelques entrées maritimes près des côtes. Et dans l'après-midi, on pourrait avoir quelques cumulus qui pourraient bourgeonner sur une petite moitié sud du pays. On pourrait même attendre de l'évolution diurne au pied des Pyrénées avec une averse qui pourrait parfois s'avérer orageuse. Les températures pour demain matin de 10 à 22 degrés. Et dans l'après-midi, on va à nouveau retrouver de fortes chaleurs dans le sud, c'est vrai. Mais regardez, le thermomètre va atteindre plus de 30 degrés cette fois-ci sur les régions du Nord. Et la chaleur va nous concerner au moins jusqu'à mercredi sur les régions de l'Est. Et à partir de jeudi, en raison de la masse d'air qui va se déstabiliser, eh bien nous allons perdre quelques degrés par l'Ouest. Voilà, très bel après-midi.